Hello everyone, this is Prema from Les Étoiles de Vie, and today I have a message for you from Archangel Michael, and I will say this message in three languages as he wants me to speak in three languages. So first I will start in English, après en français, and then in het Nederlands. So I am Prema, I'm a holistic coach and an intuitive healer. And this is the joyful message from Archangel Michael about taking an independent course in life. So it goes like this. Hello, happy souls. Today I have come to the great world to give you a message of joy. You, as humans, have taken this incarnation upon your shoulders in order to make wonderful adjustments in the lives of humans as a whole. It is not necessary to ponder these matters at length as to why you incarnated. It is far more important and necessary to take up the common good of life. Stop sleeping. Stop yawning. Relax. Yes, that is good. But stop lingering in that daze. It is my joyful task to inform you all today that with the help of many light-filled souls, the way has been cleared for a super entertaining life filled with love, fun, brilliance, and enthusiasm. In every human being lies the same joy to make life something beautiful, a celebration, a sequence of joyful moments and experiences. With this message, I want to point out to you that it is now time for joy. I ask all of you who have the confidence to live a joyful life, to take this as your task, to make that same joy clear to others. It is a transfer of learning, what you have already learned yourself. Some have done it by themselves, by being in close contact with us. Others now need help with this. It's up to you to take on that task when you feel and know that you are ready. In your state of consciousness, a degree of insight about life has been added. That which many have forgotten at birth or incarnation is now partially returned. Many can already read their own log, their birth book, their incarnation book, their life book, their learning book, their chronicles of life. You can just ask it from us. There will always be a staff member on duty to offer you this book for clarification. Ask, ask, ask. In that book lies everything that is true. There is nothing in that book that is not true. It is your truth. It is the truth. Are you open to receive your truth? Are you ready to receive your truth? Can you put yourself beyond the limitation of this one incarnation and allow yourself to merge with all your indescribably deep intrusions and experiences. From whichever planet you come from, no matter how many lives you have already lived here on Earth, allow yourself the experience of seeing through the whole, searching through it, living it. How
do you live your personalized, independent course as a human being? That is a beautiful question. How do you find that at this moment in your life, you are sailing your most independent course? My experience as a soul, as an angel, as a light breaker of unwanted patterns will assist you in giving your light to your fellow man, children, animals, and nature. My light is there for you to pass it on. My light is there for you to show others this light. My light is there for you to break through what no longer serves you. My light is there for you to believe even more in your soul. My light is there for you in order to bring you more to your core than ever before. My light is there for you to ignite the light in the collective of all human beings in order to move forward in unity. Dear joyful people, share your joy in whatever capacity you are working. Whoever the people around you are and how you involve them in your life, share with them your joy. Your joy, your joy. Focus on growing up together and thriving together in joy. For each person, I have a unique way of coming to you. Some will see me, some will hear me. Still, others will feel or experience me nearby. You can communicate with me. You can ask me whatever you want. It's not necessary to do very high things. Just being yourself in simplicity is enough to make contact. Use the purity of your heart to tell me your problems. See me as a right hand of the Father, your Father or the Divine Father, or however you wish to regard the source of existence. See me as a servant of it. I am a servant of the divine, a servant of the source. I am everywhere at once, everywhere my help is called for. Now it is time to connect with my light. Focus on the power that I carry within me and know that you can use it. I send you the necessary power when you ask it of me. I protect you when you ask this of me. I send the right people on your path when you ask for it. I use people on your path to communicate the right things to you so that you are always reminded of your independent course. In joy and with strength, I go my way. I know no limitations and see no difference in good and evil. I take away what does not serve you, and I help you to find what you need. I draw my inexhaustible strength from the source itself. This too I can and will teach you. You cannot receive this just like that. As an incarnation, you have to take your body with you. You are separate from your body, yet as a human being, you are one with your body. So you cannot see your body 100% separate from yourself.
It belongs to you as the sun to the moon, like the water to the fire, like the light to the darkness. Your body belongs to your soul. And each time you will receive another body, which is more and more subtle and extra equipped to go on your soul's path. Today, joy is your portion. Whoever chooses this will see that so much more joy comes into his or her life. I give you this joy. We give you this joy. You give this joy to each other. Therefore, my request to you, give your joy. Only share your joy. Today, your authentic joy is needed to determine the course of your common path. You do not go without each other. As much as the split seems to be a split, it is such a terrible illusion. Why should the origin of existence split off? Why should the origin, the source, not hold everything together in one bundle of light? It is wise to always remember that you are part of the greater whole. You are not alone, not even when you are alone. You are always a part of the whole, always. What can you be joyful in today? To whom can you give your joy? Who can you touch with your joy? In case you would like to get to the bottom of your independent alignment, ask for a free Zoom consultation with Les Étoiles de Vie, and we will help you get back on your joyful path. Find the details below in the description. Et maintenant, je vais essayer de parler en français. C'est pas ma langue maternelle, mais je vais l'essayer pour vous. D'accord? Mes excuses de mes fautes françaises. Archange Michael parle de prendre un cours indépendant de la vie. Et il dit « Bonjour, âme heureuse. Aujourd'hui, je suis venue dans le grand monde pour vous donner un message de joie. Vous, en tant qu'humaine, avez pris cette incarnation sur vos épaules afin d'apporter de merveilleux ajustements dans la vie des humains, dans leur ensemble. Il n'est pas nécessaire de réfléchir longuement à ces questions, à savoir pourquoi vous vous êtes incarné. Il est bien plus important et nécessaire de s'occuper du bien commun de la vie. Arrêtez de dormir. Arrêtez de bâiller. Détendez-vous, oui, c'est bien, mais arrêtez de vous attarder dans cet état. J'ai la joie de vous informer aujourd'hui qu'avec l'aide de nombreux âmes remplies de lumière, la voie a été dégagée pour une vie super divertissante, remplie d'amour, de plaisir, de brillance et d'enthousiasme.
En chaque être humain réside cette même joie de faire de la vie quelque chose de beau, une célébration, une suite de moments et d'expériences joyeuses. Par ce message, je veux vous faire remarquer que l'heure est maintenant à la joie. Je demande à tous ceux d'entre vous qui ont la confiance de vivre une vie joyeuse, de prendre pour tâche de faire comprendre cette même joie aux autres. Il s'agit d'un transfert d'apprentissage de ce que vous avez déjà appris vous-même. Certains l'ont fait pour eux-mêmes en étant en contact en trois avec nous. D'autres ont maintenant besoin d'aide à ce sujet. C'est à vous de vous atteler à cette tâche lorsque vous vous sentirez et saurez que vous êtes prêt. Dans votre état de conscience, un degré de compréhension de la vie a été ajouté. Ce que beaucoup ont oublié à la naissance ou à l'incarnation est maintenant partiellement restitué. Beaucoup peuvent déjà lire leur propre journal, leur livre de naissance, leur livre de d'incarnation, leur livre de vie, leur livre d'apprentissage, leur chronique de vie. Vous pouvez simplement nous le demander. Il y aura toujours un membre de personnel en service pour vous offrir ce livre à des fins de clarification. Demandez, 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 demandez. Dans ce livre se trouve tout ce qui est vrai. Il n'y a rien dans ce livre qui ne soit pas vrai. C'est votre vérité, c'est la vérité. Êtes-vous ouvert pour recevoir votre vérité? Êtes-vous prêt à recevoir votre vérité? Pouvez-vous vous placer au-delà de la limitation de cette seule incarnation et vous permettre de fusionner avec toutes vos intuitions et expériences d'une profondeur indescriptible? De n'importe quelle planète d'où vous venez, du nombre de vies que vous avez déjà vécu ici sur Terre. Permettez-vous l'expérience de voir à travers le tout, de le chercher, de le vivre. Comment vivre son parcours autonome personnalisé en tant qu'être humain? C'est une belle question. Comment trouvez-vous qu'à ce moment de votre vie, vous naviguez de la manière la plus indépendante qui soit? Mon expérience en tant qu'âme, en tant qu'ange, en tant que briseur de lumière de schémas indésirables, vous aidera à donner votre lumière à vous semblables, aux enfants, aux animaux et à la nature. Ma lumière est là pour que vous la transmettiez. Ma lumière est là pour que vous puissiez montrer
cette lumière aux autres. Ma lumière est là pour vous permettre de briser ce qui ne vous sert plus. Ma lumière est là pour que tu croies encore plus en ton âme. Ma lumière est là pour vous afin de vous amener encore plus au cœur de vous-même que jamais auparavant. Ma lumière est là pour que vous allumiez la lumière dans le collectif de tous les êtres humains afin d'avancer dans l'unité. Cher joyeux, partagez votre joie. Quelle que soit la fonction que vous exercez, quelles que soient les personnes qui vous entourent et la façon dont vous les impliquez dans votre vie, partagez avec elles votre joie, votre joie, votre joie. Concentrez-vous sur le fait de grandir ensemble et de vous épanouir dans la joie. Pour chaque personne, j'ai une façon unique de venir à vous. Certains me verront, d'autres m'entendront, d'autres encore me sentiront ou feront l'expérience de ma proximité. Vous pouvez communiquer avec moi. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Il n'est pas nécessaire de faire des choses très élevées. Il suffit d'être soi-même et toute simplicité pour établir le contact. Utilise la purité de ton cœur pour me dire tes problèmes. Voyez-moi comme la main droite du Père, de votre Père ou du Père divin, ou de la manière dont vous souhaitez considérer la source de l'existence. Voyez-moi comme un serviteur de celui-ci. Je suis un serviteur du divin, un serviteur de la source. Je suis partout à la fois, partout où mon aide est sollicitée. Il est maintenant temps de me connecter à ma lumière. Concentrez-vous sur le pouvoir que je porte en moi et sachez que vous pouvez l'utiliser. Je vous envoie la puissance nécessaire lorsque vous me la demandez. Je te protège, je te protège quand tu me demandes ça, que tu me demandes ça. J'envoie les bonnes personnes sur ton chemin quand tu le demandes. Je me sers des personnes qui se trouvent sur ton chemin pour te communiquer les bonnes choses, afin que tu te souviennes toujours de ton parcours indépendant. Dans la joie et avec force, je vais mon chemin. Je ne connais aucune limite et ne vois aucune différence entre le bien et le mal.
J'enlève ce qui ne vous sert pas et je vous aide à trouver ce dont vous avez besoin. Je tire ma force inépuisable et la source elle-même. Cela aussi, je peux vous l'apprendre et je vous l'enseignerai. Vous ne pouvez pas recevoir cela juste comme ça. En tant qu'incarnation, vous devez prendre votre corps avec vous. Vous êtes séparé de votre corps. Pourtant, en tant qu'être humain, vous ne faites qu'un avec votre corps. Vous ne pouvez donc pas voir votre corps séparé à 100% de vous-même. Il vous appartient comme le soleil à la lune, comme l'eau au feu, comme la lumière à l'obscurité. Votre corps appartient à votre âme. Et à chaque fois, vous recevrez un autre corps qui sera de plus en plus subtil et mieux équipé pour suivre le chemin de votre âme. Aujourd'hui, la joie est votre lot. Celui ou celle qui fait ce choix, blablabla, celui ou celle qui fait ce choix verra que beaucoup plus de joie entre dans sa vie. Je vous donne cette joie. Nous vous donnons cette joie. Vous vous donnez cette joie l'un à l'autre. Pour conséquent, ma demande à vous, donnez votre joie. Ne partagez que votre joie. Aujourd'hui, votre joie authentique est nécessaire pour déterminer le cours de votre chemin commun. Vous n'allez pas l'un sur l'autre. Autant la scission semble être une scission, autant c'est une terrible illusion. Pourquoi l'origine de l'existence devrait-elle se séparer? Pourquoi l'origine, la source, ne pourrait-elle pas tout réunir en un seul faisceau de lumière? Il est sage de toujours se rappeler que vous faites partie d'un ensemble plus vaste. Vous n'êtes pas seul, même lorsque vous êtes seul. Vous êtes toujours une partie de l'ensemble. Toujours. En quoi pouvez-vous être joyeux aujourd'hui? À qui pouvez-vous donner votre joie? Qui pouvez-vous toucher avec votre joie? Si vous souhaitez faire le point sur votre alignement indépendant, demandez une consultation Zoom gratuite avec les étoiles de vie et nous vous aiderons à reprendre le chemin de la joie. Vous trouverez les détails ci-dessous dans la description. Merci. En dan volgt nu de boodschap in het Nederlands van aartsengel Michael, waarover hij het heeft over een onafhankelijke koers in het leven gaan. Aartsengel Michael zegt:
Dag, vrolijke zielen. Vandaag ben ik naar de wereld gekomen om jullie een boodschap van vreugde te geven. Jullie hebben als mens deze incarnatie op jullie schouders genomen om prachtige aanpassingen te maken in het leven van de mens als geheel. Het is niet nodig om jullie lang over deze zaken te buigen, als over het waarom van je incarnatie. Het is veel belangrijker en noodzakelijker om het algemeen belang van het leven op je te pakken. Stop met slapen. Stop met gapen. Ontspan. Ja, dat is wel goed, maar stop met in die roes te blijven hangen. Het is mijn vreugdevolle taak om jullie allen vandaag te melden dat de weg voor de mens met hulp van vele lichtrijke zielen is vrijgemaakt voor een supervermakelijk leven vol liefde, plezier, schittering en enthousiasme. In ieder mens ligt diezelfde vreugde om van het leven iets moois te maken. Een feest, een aaneenschakeling van vrolijke momenten en ervaringen. Met dit bericht wil ik jullie er dus ook op wijzen dat het nu tijd is voor vreugde. Ik vraag aan ieder die het vertrouwen in zich draagt om een vreugdevol leven te leiden, dit ook als taak te nemen om anderen diezelfde vreugde helder te maken. Het is een overdracht van aanleren wat jezelf ook reeds aangeleerd werd. Geleerd hebt. Sommigen hebben het uit zichzelf voor elkaar gekregen door in nauw contact met ons te staan. Anderen hebben hier nu hulp bij nodig. Aan jullie om die taak op je te nemen wanneer je voelt en weet dat je hieraan toe bent. In jullie staat van bewustzijn is een graad van inzicht over het leven toegevoegd. Dat wat velen bij geboorte of bij incarnatie zijn vergeten, is nu deels teruggegeven. Velen kunnen reeds hun eigen logboek, hun geboorteboek, hun incarnatieboek, hun levensboek, hun leerboek, hun chronieken van het leven lezen. Jullie kunnen dit gewoon bij ons opvragen. Er zal altijd een medewerker van dienst klaarstaan om jullie dit boek aan te bieden ter verduidelijking. Vraag hiernaar. In dit boek ligt alles besloten wat waar is. In dat boek ligt niets besloten wat niet waar is. Het is jouw waarheid. Het is de waarheid. Sta je open voor het ontvangen van jouw waarheid? Ben je bereid jouw waarheid tot jou te nemen? Kan je jezelf over de beperking van deze ene incarnatie heen zetten en je laten versmelten met al je onbeschrijfelijk diepe indalingen en ervaringen? Van welke planeet je ook afkomstig bent, van het aantal levens dat je hier al op aarde geleefd hebt, gun jezelf de ervaring van het geheel te doorzien, te doorzoeken, te doorleven. Hoe leef je als mens jouw gepersonaliseerde, onafhankelijke koers? Dat is een mooie vraag. Hoe vind je zelf dat je op dit moment in jouw leven jouw meest onafhankelijke koers vaart? Mijn ervaring als ziel, als engel, als lichtbreker van ongewenste patronen, staat jou bij in het geven van jouw licht aan jouw medemens.
kinderen en dieren en de natuur. Mijn licht is er voor jou om het door te geven. Mijn licht is er voor jou om anderen dit licht te tonen. Mijn licht is er voor jou om te doorbreken wat jou niet meer dient. Mijn licht is er voor jou om nog meer in jouw ziel te geloven. Mijn licht is er voor jou om jou nog meer in jouw kern te doen belanden dan ooit tevoren. Mijn licht is er voor jou om het licht in het collectief van alle mensen te doen ontbranden, om ze unaniem in eenheid, om zo unaniem in eenheid voorwaarts te gaan. Lieve vrolijke mensen, deel jullie vreugde, in welke hoedanigheid jij ook werkt. Wie ook de mensen in jouw omgeving zijn en hoe je hen in jouw leven betrekt. Deel hen jouw vreugde. Richt je op het gezamenlijk opgroeien en gezamenlijk bloeien in vreugde. Voor ieder mens heb ik een unieke manier van bij je te komen. Sommigen zullen mij zien, anderen zullen mij horen. Weer anderen zullen mij voelen of mij ervaren in de buurt. Je kan met mij communiceren. Je kan mij vragen wat je wilt. Het is niet noodzakelijk om hele hoogstaande zaken te doen. Gewoon jezelf zijn in eenvoud is voldoende om contact te maken. Gebruik de zuiverheid van je hart om mij jouw probleempunten mede te delen. Zie mij als de rechterhand van de Vader. Jouw Vader of de Goddelijke Vader. Of hoe jij de bron van het bestaan ook wenst te beschouwen. Zie mij als een dienaar daarvan. Ik ben een dienaar van het Goddelijke. Een dienaar van de bron. Ik ben overal tegelijk. Overal waar mijn hulp wordt ingeschakeld. Nu is het tijd om je te verbinden met mijn licht. Richt je op de kracht die ik in mij draag. En weet dat je hier gebruik van kan maken. Ik stuur jou de nodige portie kracht wanneer je dit aan me vraagt. Ik bescherm jou wanneer je dit van me vraagt. Ik stuur de juiste mensen op je pad als je mij daarom vraagt. Ik gebruik mensen op jouw pad. Ik gebruik mensen om op jouw pad de juiste zaken aan je mede te delen, zodat jij telkens herinnerd wordt aan jouw onafhankelijke koers. In vreugde en met kracht ga ik mijn weg. Ik ken geen beperkingen en zie geen verschil in goed en kwaad. Ik ontneem jou wat jou niet dient en ik help jou naar datgene wat jij nodig hebt. Mijn onuitputtelijke kracht put ik uit de bron zelf. Ook dit wil en kan ik je leren. Dit kan je niet in één keer zomaar ontvangen. Als incarnatie dien je jouw lichaam met je mee te nemen. Je staat los van je lichaam, toch ben je als mens één met je lichaam. Je kan dus niet jouw lichaam 100% los van jezelf zien. Het hoort bij je als de zon bij de maan, als het water bij het vuur, als het licht bij de duisternis. Jouw lichaam hoort bij jouw ziel. En telkens zal je een ander lichaam krijgen wat steeds subtieler is en extra uitgerust om jouw zielenpad te gaan.
Vandaag is vreugde jullie deel. Wie hiervoor kiest, zal zien dat er zoveel meer vreugde in zijn of haar leven komt. Ik geef jullie deze vreugde. Wij geven jullie deze vreugde. Jullie geven elkaar deze vreugde. Daarom mijn verzoek aan jullie. Geef je vreugde. Deel enkel je vreugde. Vandaag is jullie authentieke vreugde nodig om de koers te bepalen van jullie gezamenlijke weg. Vandaag is jullie authentieke vreugde nodig om de koers te bepalen van jullie gezamenlijke weg. Jullie gaan niet zonder elkaar. Hoezeer ook de splitsing een splitsing lijkt, dit is zo'n ontzettende illusie. Waarom zou de oorsprong van het bestaan afsplitsen? Waarom zou de oorsprong, de bron, niet alles samenhouden in één bundel van licht? Het is verstandig steeds te herinneren dat je deel bent van het grotere geheel. Je bent geen enkeling. Ook niet als je alleen bent. Je bent altijd een deel van het geheel. Altijd. Waarin kan je vandaag vreugdevol zijn? Wie kan jij jouw vreugde geven? Wie kan jij door jouw vreugde raken? In geval je graag jouw onafhankelijke uitleiding wenst te doorgronden, vraag om een gratis Zoom-gesprek bij Les Étoiles de Vie. En we helpen jullie graag om terug op jullie vrolijke weg uit te komen. Vind de gegevens hieronder in de beschrijving. Nou, dit was de boodschap van aartsengel Michael vandaag. Vrijdag 29 oktober 2021. Ik dank jullie wel voor jullie aandacht. En deel gerust je vragen, je opmerkingen, jouw ervaring ook met Michael onder de originele YouTube-link van dit bericht. En heel graag tot de volgende keer. En geniet van jouw eigen onafhankelijke koers. Tot ziens!